J'adore le chargeur avec le poulet. Oui, il est très badant. Ouais, j'ai un point. Ah, t'en as plus que moi. Je suis Teresa, la prophétesse de la flèche. J'ai guidé ton père à travers ses plus grands triomphes. La sœur du tout premier. Mais toi, ta destinée exactement, sera oui. encore plus grande. Oui, je me suis spoilé en disant que le sceau s'est activé à ton contact. Et il on ne sait pas comment elle a fait pour survivre pendant. Ça veut dire que le destin d'Albion. Ouais, un petit peu plus maintenant. 50 ans. La voie voilà. que tu es supposé suivre n'attend que toi. Elle te mènera vers le royaume qui t'est destiné. Wow, les coffres. Comme tous les héros, tu traverseras de nombreuses épreuves. Mais tu ne pourras pas surmonter ces difficultés seul. Tu devras. Déverrouille. Voilà, déverrouillerai seulement les compétences. Tu as le soutien de deux ennemis. Compagnie tout d'abord celui de Chester, ton plus fidèle serviteur. Et celui de Sir Walter Beck, ton ami. Tu peux aussi être de l'autre côté, non? Ensemble, vous avez déjà passé. Oui, je serai de l'autre côté, oui. Voyage. Franchissez la porte et réclamez votre dieu. Ah ah, Walter, je te passe au travers. Moi, j'aime bien ces. De quoi je me rappelle plus. Comment on fait pour zoomer déjà Ça se trouve, c'est même pas possible vu, qu'on est, vu qu'on est à deux en plus. C'est dommage parce que j'aimais bien zoomer sur la face des gens. C'est vrai qu'on peut bien voir leur visage après. Ouais, voilà, donc moi je suis à ce côté. Donc avec un point, et puis. Je suppose que je l'ai déjà ce coffre, je vérifierai après. Je te laisse ouvrir. Ah oui, boucle de feu. Bah, va roxer les dents, ça va voter. Le gantelet te permettra de canaliser tes pouvoirs magiques. Le gantelet, j'ai repris le gantelet. La tombe qui se trouve dans le mausolée et le chemin vers le château s'ouvrira à toi. Reviens ici quand tu auras suffisamment de partisans pour atteindre la porte suivante. Vas-y maintenant. Walter et Jasper te suivront où que tu ailles. Et un jour, qui sait, peut-être les citoyens d'Albion en feront de même. Qui sait? Donc moi, je l'ai déjà, effectivement, j'ai l'impression. Je peux rien faire dessus, donc... donc c'est bon. Allez, on est toi. Donc tu vas pouvoir lancer des boules de feu, si c'est pas magnifique. Ça tombe bien, c'est ce que je fais tout le temps. Une chieuse avec des boules de feu. Moi, je vais plutôt combattre au corps à corps avec l'épée. Moi, je suis au flingue, les gars. Je suis au plein niveau de l'eau. Est-ce que tu te sens... Eh, je veux sortir de là. Le chien qui est bloqué. Il paraît que c'est notre seul moyen de sortir d'ici. J'aurais peut-être pu le dire. Et gâcher la surprise. B. Oui. Et là, je disparais. En même temps, hein, t'es la fille de ton père. Hein. Encore heureux. Je suis bien la fille du docteur. Hein. Quoi? Donc là, il faut écouter tout ce que raconte Jasper, il sait pas. Oui, il est très drôle dans ce passage. J'ai jamais eu peur de me faire éborgner ou trancher la tête. Qu'est-ce que ça peut faire? Oui, j'ai touché une corde sensible. Et si je tirais dans la tête d'un majordome? Bon, je perds. Ils sont mythiques quand ils sont tous les deux. Ah ouais, mais... ouais. Sans compter leur gueule, c'est mes deux préférés, quoi. River, il compte pas. Ouais, River... Il est hors contexte, quoi. Tu peux pas le... Mais il est très énorme quand même. Hein. Oh, je gagne de l'argent, je sais pas d'où, mais je gagne de l'argent. T'as dû acheter une petite maison? Ouais, je pense que ce personnage a une maison. Il y a un livre à qui je crois. Ah oui? Non, une porte d'or, pardon. Je comprends avec une autre chose. Alors, tu te rappelles de l'emplacement de chaque. Normalement, il y a un nain, mais bon, on n'a pas encore libéré les nains. Je sais qu'il y a plein de ballerines au moment où justement tu peux enfin accéder. Donc pour ceux qui ont joué au 2 et qui n'ont pas joué au 3, les nains, c'est ce qui remplace les gargouilles. Ouais. Possible du château, ce que j'approuve. Les gargouilles, j'ai du mal à les trouver dans le. C'est ça. J'avais tout trouvé, les gargouilles. Par contre, les nains, je les ai pas tous faits. Suis-je censé faire ça? J'ai trouvé, moi, les nains. Certes, je suis une héroïne, mais je n'en reste pas moins faillible. Exactement. C'est pour cette raison que nous devons. Mais quelle de marcher d'un personnage, il d'abord quand il arrive. Une fois que tu leur auras montré qui tu es, les gens te suivront, et beaucoup d'entre eux voudront combattre.
Et il leur faut un leader. Quelqu'un en qui croit. Ah oui, il y a quelque chose, je me rappelle. Il y a un coffre, un truc comme ça. Ah, il y a une clé. Et de une. Ouais. Donc. Je peux bien, moi je les chope au passage. Hein. Ah, je peux la prendre aussi. Alors, je fais pas de trucs style. Ouais, épisode spécial, on va chercher toutes les clés, tous les livres et compagnie. Moi j'y passe devant, je le chope. Je ne me prends pas la tête. J'ai pas envie de revenir sur mes pas à chaque fois. C'est pratique comme ça si les gens regardent le walkthrough et qu'ils savent pas où sont certaines clés. Voilà. Alors moi je mets les chaussures. Je pense pas les chaussures. Les corbeaux aussi. Ah mais Jasper, tu me gênes. Oui, tu gênes la caméra. Tu gênes le mercenaire qui protège la princesse. Avec ses deux clébards agaçants. C'est vrai qu'ils sont chiants quand ils sont deux. Hein. S'ils se ressemblent, si c'est lequel le mien. Je sais pas. Je sais déjà comment je vais l'appeler pour pas casser mes copines. Ça va être énorme. Ça va être magnifique. Attention, des chauves-souris. Bien, jeune héroïne. C'est une chance de montrer ce que tu sais. C'est Walter qui a tout dans la gueule. Bon, Walter, dégage, tu m'énerves. Je vais envoyer des boules de feu au pif. Par contre, je me demande. C'est moi que tu parles? Ah non. Toi qui parles au chien? C'est surtout une question. Non, il parle de Jasper. Ah bon? Je pense que nous venons juste de voir un exemple de ce que tu peux faire. Tu es l'héroïne qui peut mener une révolution sur cette terre. Les chauves-souris ne sont que le début. Je laisse parler un petit peu, qu'on entende quand même les dialogues. Mais je voulais dire, je me demande si on rencontre Walter et Jasper dans Fable 2. Peut-être qu'à un moment on les rencontre tout jeunes. Peut-être ou... à la fin, c'est comme ça. Parce qu'ils disent que Walter c'est un vieil ami du roi, donc... Ouais, si un jour je refais Fable 2, il faudrait que je sais de toute façon, je vais le refaire parce que j'y arrive à rien dans ma partie, donc je vais reprendre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'intervention de River dans Fable 2. Ouais, j'ai lu ce qu'il aimait. Ouais. C'est un personnage que je trouvais déjà d'entrée donc, très charismatique. Les portes en or, hein, je préviens. Enfin, ah oui, c'est vrai. J'ai les portes en or, il y en a une aussi. J'ai vu tout repérer. Ah, il faudra aller à la maison du crépuscule, et d'ailleurs, ça fait penser. Elle est bien flippante. Elle me stresse à chaque fois que j'y vais. Alors. Ah, moi, je pense que quand tu reviens ici plus tard, c'est rempli d'hommes creux, de balles, de rage. Ce sera amusant. C'est marrant, c'est qu'elle touche pas, là, les chansons. Ouais, mais. Bah... Juste pour nous entraîner au sort, quoi. Non, non, j'arrive pas à l'idée. Genre. Mais. Ah, brûle. Je suis gentil, je protège la princesse. Ça fait penser que dans vos pays, la personne est. Je suis de votre côté. Non. Personne n'est de mon côté. Oh, c'est chiant. Tu devrais peut-être te couvrir le nez. Nous arrivons dans les égouts de Bonweston. Ah. Merci du conseil. C'est pas un truc, hein. Pauvre majordome qui se retrouve dans les égouts, à marcher dans le caca. Oh, la classe qui prenne. Surtout avec sa tenue, quoi, super propre sur soi et tout. Oui. Tu es bastard. C'est extrêmement simple au début. Hein. Bon, le genre lui-même n'est pas trop dur d'ailleurs. Oui, bah oui. J'étais déçu par le boss de sang. Qui vaut toujours mieux que celui de Fable 2. Je peux pas dire, je suis pas arrivé. Je sais juste que River se chie. Bah, je vais pas te spoiler, mais. Non, mais. Tu verras. Je me suis déjà spoilé. On devrait pouvoir s'échapper de cette ville. Une fois que nous serons remontés à la surface. Là-bas. C'est très probable. Hors des sentiers battus, il y a souvent clé, des trucs. Un truc comme ça. Ah, mais il n'y en a pas.
faut que je me réhabitue à sprinter. On peut pas pour le moment sprinter. Si, tu peux sprinter. Taïo. Oui, parce que quand il sprint pas en fait. C'est juste de la course. Ce qui est pratique, c'est que si t'avances trop, moi je peux faire. Voilà. Me téléporter à toi. Mais c'était génial ça. Je suis un garde du corps qui a des pouvoirs très, très particuliers. Ah oui, tu peux pas revenir ici, je me rappelle, il y a un éboulement après. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Je suis presque sûr que c'est une porte de culisse, une sorte de système de transport magique pour Néo. C'est trop la classe. Eh bien, on dirait qu'il en reste au moins une. J'ai pas terminé de parler, moi, je suis trop rapide. Arrêtez de parler, on se barre. T'as disparu? Ah oui, j'espère. Mais où est-ce qu'on est? Tu vois, ça doit être... Oui, c'est le sanctuaire de ton père. Il en parlait, mais je n'aurais jamais imaginé que cet endroit était réel. Oh, j'arrive pas à le croire. Jasper, ce livre contient une note avec ton nom dessus, regarde. Impossible. Pour Jasper? Bon, je vous l'accorde, c'est possible. Mais c'est une coïncidence. Oh, ne sois pas stupide. L'ancien roi doit l'avoir laissé là pour toi. Quel est son titre? Le livre des héros. C'est incroyable. Ça dit comment sortir d'ici? C'est vraiment remarquable. Tout ce que nous voudrions savoir sur les héros et cet endroit est couché noir sur blanc. C'est fou. C'est dingue. Un truc de dédain. Voilà, voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, faut attendre, non? Ah, cette oui. Carte est une sorte de mécanisme de téléportation. Choisissez simplement où vous voulez aller. C'est on ne peut plus simple. Fantastique. Bien, utilisons-la. Nous aurons tout le temps d'explorer cet endroit plus tard. Mais pour l'instant, nous avons une mission plus importante qui nous attend. Je ne sais même pas par où commencer. Notre première étape sera les montagnes de Myth Peak. Il y a là-bas des gens qui seraient d'excellents alliés. Ils ne feront pas facilement acte d'allégeance. Mais ils méprisent Logan. Et s'il y a une personne qui peut les convaincre, c'est bien un héros. Très bien. Je vais rester ici pour découvrir les secrets de ce sanctuaire. Nul doute que ces lieux nous seront d'une grande utilité. Bien, très bien. Trouve Myth Peak sur la carte et voyons si ce livre nous dit la vérité. Oui, oui, il y a un problème. C'est une héroïne de shoujo, quoi. Il manque juste les grands yeux, quoi, c'est bon. Je pense qu'elle a dû... rembourrer... Oh, c'est notre corsaire, quoi. Ici, vous avez le camp des gitans de Myth Peak. Oui. Choisissez-le comme destination et vous y serez transporté, comme ça. J'avais oublié que la carte ça fonctionnait comme ça dans Fable 3. Ah ah. C'est pas encore affiché. Attends. Donc, c'est dommage, je me sens qu'il n'y a pas beaucoup de choses à visiter. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui. Donc, on va au camp des gitans. Qui est le même que celui de Fable 1, je crois. Hein. Fable 2, pardon. Ouais, parce que je crois qu'il y a une disposition un peu différente. Et il fait froid aussi. Il fait très froid. C'est peine. J'ai l'impression d'avoir vraiment froid. Ouais, j'ai un pull pour préparer le coup. Je me souvenais plus à quel point il faisait froid ici. Bah, lui aussi, tu vois, il est pas content. Allez. Oui, j'arrive. Et du coup, les gens d'ici, ce sont eux. Jasper a élu domicile dans une espèce de sanctuaire où on était tout à l'heure. Ouais. Ah bah, je te l'ai déjà dit, oui. Il déteste ton frère. Eh oui, ça ne saute peut-être pas aux yeux, mais c'est ici que commence la révolution. Voilà ce à quoi Logan les a réduits. Il a pris le contrôle de ces montagnes et a commencé à détruire les forêts. Je savais qu'ils avaient du mal à trouver à manger. Oh, ils n'ont jamais été très heureux. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. J'ai pas de thunes pour le moment. Attendez. Moi, j'en ai, moi. D'abord, non, c'est hors de question. Non, tout pour ma gueule. Je suis payé pour garder la princesse. Vaincre, ça va. Je garde ma paye.
ça va déjà être assez compliqué. T'auras pas mon pays. Arrête de plier. Acte d'allégeance, surtout à une princesse. Il vaudrait peut-être mieux que je lui parle d'abord seul à seul. Tu devrais peut-être essayer de trouver de nouveaux vêtements pendant que je parle à Savin. Un petit peu, mais bon. Moins royal. On n'a pas besoin. Ça va être une princesse guerrière après tout. Je n'ai qu'un peu d'or, mais ça devrait être suffisant. Et tu peux peut-être offrir le reste au peuple. Il en a plus besoin que nous. Où est-ce qu'il y a des vêtements? Oh, ne t'inquiète pas. Il y aura bien quelqu'un qui voudra prendre ton argent. Le gros cupide. Putain, je veux de la thune. Toi aussi, Picsou est ton idole. Attends, j'arrive. Merde, excuse-moi. En plus, ça t'a fait mettre pause de force. C'est pas ça. Tu peux m'expulser en plus. Oh, bien ça. Logan. Oui, ben d'abord je m'achète des fringues. Moche, mais j'achète des fringues. Ça c'est bien histoire de foutre tout sur le dos de quelqu'un. Hein. Ouais. C'est la faute de Logan. C'est bon, vous étiez déjà dans la misère avant. Hein. Voilà, c'est ça. C'est des conneries. Je peux avoir le reste. Je peux avoir la monnaie. Bonjour, madame. Ici Jasper. Oui. Allô. Allô. Je vous parle au moyen du sceau de la guilde. C'est un appareil extraordinaire. Tant que vous avez le sceau, nous pouvons communiquer librement. En outre, vous pouvez revenir au sanctuaire chaque fois que vous jugez bon de le faire. Puis-je vous suggérer de revenir tout de suite pour essayer votre nouveau costume? D'accord. Ah, j'ai sifflé. Ah. Je le gronde. Vilain chien. Vilain chien. Pardon. Mince, comment je fais pour quitter? Je sais plus. Ah, ça y est. Excusez-moi. Vilain garçon. Mais toi, tu vas être gentil, donc faut bien que je sois un petit peu méchant de temps en temps. Mais viens ici, crétin de clébard. Moi, je vais montrer ce que ça fait d'être gentil avec ton chien. Mais viens ici! Qui a dit Logan? Je sais pas. Oh, mais il est trop débile ce chien, allez hop. Dada. Donc là, je pense que tu vas être toute seule si je me souviens bonjour. Bien. Le sanctuaire abrite maintenant un dressing. Oh, oui. Venez, je vais vous montrer. Et si moi je mets start, j'irai de mon côté en fait, si tu veux. Chien, j'adore son nom. Très développé. Alors. Viens, chien! Gentil. Oui. Je suis pas douée. Alors. Comment va s'appeler le chien? T'inquiète pas, c'est déjà prévu. Donc je vais faire un raccourci le premier. Il y en a que deux qui vont comprendre le délire, mais ce n'est pas grave. Deux. Il est où? Il est là. T'es bebe. Mais non, voilà. T'es bebe. Attends. Non, je vais faire... Fat bebe. Voilà, mais je vais mettre un A comme ça, ça prend plus con. Fat. Je vais mettre en entier comme ça, ça comprendra mieux. Sainte bebe. Voilà, c'est la sainte bebe. C'est quoi? C'est un chien qui fume de la beuh. C'est un délire et... avec des amis. Et en fait, la chienne d'une copine qui... porte le surnom de Bebe et puis on a fait un gros délire dessus et du coup ben voilà. Sainte Bebe. Voilà. C'est notre sainte à nous. On fait des prières. Bon bah au pied, Sainte Bebe. Elle fait dodo, Sainte Bebe. J'ai pris la liberté de placer vos vêtements sur ces mannequins. Qui s'avère très utile. Ah oui, oh là là. Mangez ce que vous avez acquis lors de vos voyages. Je sais pas si je vais devoir me changer moi aussi ou si ça compte pas. Vos costumes de gitane. Hop, voilà, hein, on est fou, à poil. On peut pas le faire. Il fait pas un commentaire, j'espère, quand t'es comme ça. Je sais pas. Vas-y, dis-moi quelque chose. Je suis les gars, enfin.
Je préfère un poil en fait. Dans la neige, ça va être pratique. Ça alors, vous avez l'air d'une vraie gitane. J'espère que cette nouvelle tenue est aussi confortable que votre costume royal. Bien qu'à vrai dire, j'en doute. J'adore comment il parle, les bourgeois comme ça. C'est marrant. Ouais, il fait penser à Alfred, quoi. The majordome. Mais ce qui est marrant, c'est que quoi qu'il arrive, enfin presque quoi qu'il arrive, il te fait des compliments. Hein. Oui. Il sera jamais négatif. Ouais, même quand il fait des critiques, en fait, il le dit tellement bien que tu peux pas lui reprocher. Oui, c'est vrai. Donc alors attends, par contre je vais aller vite fait juste voir. Comment il s'appelle peut-être. Vous devriez aller à la boutique du sanctuaire. Je suis sûr qu'ils ont reçu des nouveautés. Donc là je pense qu'il parle de ma partie. Chien. Chien. Ah, il a pas de nom. Bon, je vais l'appeler Sasuke alors en référence à nos parties avec Champak. On joue très roleplay avec Champak. C'est vrai que de temps en temps on a tendance à. Bien sur ce collier. Oui, c'est vrai. Bon, moi je vais pas m'habiller en gitan, hein, je vais rester avec ma tenue pourrie pour l'instant. Il est pas que j'appelle ça un bebe. Je suis dégoûtée là. Il a rien dit pour toi, c'est vrai. Comment nous ferait-il souffrir de la sorte? Mon dieu. Je croyais que c'était toi, mais non. Non, quand même. Je disais, t'as gros si quand même. Oh, et puis elle veut pas parler, hop. Next. Et normalement, je peux interagir avec toi aussi. Pour enrôler de nouveaux partisans. Vous devez interagir avec les passants. Allez-y, je suis sûr que vous. Donner argent, on va pas rêver. Moi je donne, parce que ça me fait gagner des points. Oh, t'es trop gentille. C'est du or. Ouais, moi je suis folle. Merci. En plus, ils me disent merci. Ça ne peut pas durer. Tiens. Quelle générosité. Ouais, hein. Merci. Je suis trop gentille. Aidez-nous. Bah, je peux pas faire mais en fait, je crois que ta poitrine est toujours aussi cheatée. Hein. Je me demande si c'est pas une poitrine aléatoire qu'ils mettent au début du jeu et que t'es tombé sur la plus grosse possible. Oh, et moi, tu me donnes des sous. Toi, tu me donnes des sous, t'es plus riche que moi. Je me sens si faible. C'est vraiment très généreux. Ouais, hein. Merci. Qui a dit Logan? Un radar, à chaque fois que vous dites vous Logan. Attends, je vais interagir avec toi. J'essaye en tout cas, j'ai du mal. Je crois que j'ai réussi. Ah bah c'est toi qui interagis, je crois. Non? Partenariat. Commercial, ça veut dire qu'on échange. Enfin, en fait, ce que t'achèteras, ce que j'achèterai, ce sera. Salut. Je suis plus grande que toi. Ouais. Félicitations! C'est une foule. Check. Check mon frère, pas ma soeur. Moi j'aurais bien roté mais. D'accord. La classe intégrale. Attention, hein, je suis la princesse. Moi je rote à la gueule de la princesse. Aucun respect. C'est comme un cauchemar qui ne se termine jamais. Derrière ce qu'elle a dit, ça allait parfaitement. C'est comme un cauchemar qui ne termine jamais. C'est parfaitement. Voilà, c'est un héros qui ne termine jamais. Voilà. J'en peux plus. J'en peux plus. Bah, suicide-toi, mon gars, tu peux rien faire. Merci. Je veux dire, oh, mon pauvre.